J'ai chaud! Ah! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très spéciale parce qu'en fait, je suis en train de filmer avec mon nouvel appareil photo. Yeah! Cette fois, je pourrais plus dépendre de mon père, c'est-à-dire en fait, il m'a offert cet appareil photo Bridge pour mes 18 ans. Et donc, cet appareil photo, c'est un Panasonic Lumix FZ200. C'est ça. Et donc, je peux enfin filmer de bonnes vidéos de très bonne qualité. Je trouve que la qualité est... Elle est pas mal, je trouve, comparée à la caméra de mon père. Bon, la caméra de mon père, c'est un Canon, c'est normal. Mais bon, je trouve que c'est une très bonne qualité, je trouve. Donc, je pense que je vais finir avec ça pendant mon bout de temps. Donc, merci mon papa. Voilà. Et donc, aujourd'hui, pour célébrer cette première vidéo avec ma première caméra, enfin, mon premier appareil photo Bridge, etc. Aujourd'hui même, j'ai reçu ma commande ELF. Et ouais, je vais encore vous saouler avec ELF, je sais. Sauf que ben tous les ans, et ben pour votre anniversaire, on vous envoie un code de réduction. Et donc, ouh, ça c'était ma fenêtre. Je crois que j'ai peut-être fermé. Et donc tous les ans, on vous propose un code de réduction pour faire vos achats, etc. Une réduction d'au moins 5%. Merci ELF. Et en même temps, c'était les soldes. Bon, j'ai pas fait grand chose. Enfin, j'ai pas acheté grand chose soldé. Il y avait juste deux vernis que je crois que j'ai acheté. Enfin, je vais vous montrer ça maintenant. Le colis est juste là. Et d'habitude, je fais souvent de grosses commandes. Mais là, j'ai essayé d'être raisonnable parce qu'en ce moment, je suis un petit peu dans le caca niveau financier, enfin, niveau argent, etc. Donc, j'ai vraiment fait. J'ai vraiment fait le minimum que je pouvais. Donc, plutôt le maximum, je dirais. Peut-être le maximum, ouais. Donc, je vais déballer ça devant vous maintenant. S'il y arrive. Comment je fais? Où sont les ciseaux? J'avais complètement zappé que quand on a, à partir de maintenant, quand on achète, on a droit aux boucles d'oreilles Coco Paya. Je les ai! Elles ressemblent à ça. Oh, elles sont trop mignonnes. C'est des espèces de fleurs en bois. Elles sont trop mignonnes. Je crois que j'ai porté ça tout l'été. Ouais, ça fait beaucoup penser à l'été. Elles sont trop mignonnes. Oh là là. J'avais complètement zappé. Oh là là. Merci ELF. Toujours vérifier si vous avez tout sur vous. Alors. Oh là, pas plastique. On va vérifier tous ensemble. Alors j'ai acheté. Putain, je pensais qu'elle était plus gros que ça. J'ai acheté un All Over Color Stick de 1€ et j'ai pris la teinte Pink Limonade. Alors tout le monde dit du bien de ça, donc c'est un tout en un. Ça peut faire les lèvres, les joues, les yeux, ça fait vraiment tout. Donc j'ai voulu le tester parce que c'est vrai qu'en ce moment je suis une grosse flemmarde niveau make-up. Donc j'ai envie de faire des make-up plutôt minimalistes, c'est-à-dire juste bébé crème et un seul truc pour tout le visage. Donc je me suis dit ça pourrait peut-être me sauver la vie. Donc je vais le déballer pour voir à quoi ça ressemble de plus près. Je pensais qu'il serait plus gros que ça, mais il est minuscule. J'aurais jamais pensé ça. Le truc ressemble à ça. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Oh merde, fallait le dévisser. Alors. Oh, c'est une très belle couleur. What the fuck? Il y a juste ça de produit. Je vais pas tenir long feu avec ça. Mais sinon, la couleur est très jolie. Ça ressemble à un rose foncé. Tirant un peu dans le rose vieillou, c'est très joli. Il est légèrement visé. Je vais faire un swatch pour voir. Ça sent l'orange. Il y en a qui disaient qu'ils n'aimaient pas l'odeur, mais moi je l'aime bien. C'est agréable. Ça change des couleurs médicamenteuses des jumbo machin truc là. Donc la couleur ressemble à ça en soi. Si j'estompe, ça doit faire un truc plutôt léger. Ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est? J'ai repris une base pour paupières à 1€ parce que le mien, mine de rien, ça fait un an que je l'ai, bah, presque 2 ans. Je l'ai totalement vidé alors que je n'ai jamais utilisé, je ne sais pas comment j'ai fait. Donc j'ai pris, j'ai racheté une autre base parce que voilà, ça sert quand même. Essie Glow Bronzer, donc j'ai pris une poudre bronzante et c'est laquelle? Comment tu t'appelles toi? Ah, c'est la Matte Bronze. Parce que tout simplement j'en ai marre de faire du contouring avec ma poudre à sourcils, donc voilà. J'ai voulu changer un peu, disons je le pensais plus clair que ça. Je vais swatcher pour voir. Le packaging est très normal, transparent partout. Bon, c'est un peu dommage qu'on voit le derrière, c'est un peu dégueulasse puisqu'on voit la colle derrière. Donc ça fait pas trop glamour quoi. Donc hop. Il n'y a pas d'odeur, ça va. Donc la poudre en elle-même ressemble à ça.
Il est pas trop voyant, donc ça devrait aller pour ma carnation. Donc je pense que je vais l'adopter très vite ce truc. Tut, 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 tut. Ah, ça y est, je l'ai enfin. C'est les Peck Blush. J'en rêvais d'en avoir à force de les voir toujours en rupture en stock. Je commence à désespérer et là, ça y est, j'en ai un. Et donc j'ai pris la teinte Rich Rose. Donc je vois que c'est un peu marron avec des reflets rouges, enfin corail, rouge corail. Donc je vais vous le déballer pour que je puisse le voir de plus près. Si monsieur veut bien s'en... Voilà. Ah, c'est trop bien. Enfin, je l'ai, je l'ai. Si j'arrive à l'ouvrir, ça serait pas mal. J'ai peur de le casser en fait. Les filles, si vous savez comment ouvrir ce truc, ça serait gentil de me dire comment faire. Ah, enfin. Donc ça, c'est un dôme comme ça. Très jolie couleur je trouve. Donc voilà, ça a des reflets dorés au reflet rouge corail comme ça. Ouh, ça fait une très jolie couleur mélangée en fait. Ça donne ça. Malheureusement on va voir. On va rien voir mais bon. C'est ça fait comme un espèce de corail foncé. Très joli. Non, sur la joue, ça va faire quoi? J'ai mis un peu de blush mais ils voient plus parce que j'ai transpiré comme un porc en fait. Ah ouais, c'est super joli, ça donne un joli petit glow et ça a une couleur dorée au reflet, enfin ça donne une couleur corail aux couleurs de, enfin, au reflet doré. J'aime bien, je vais l'adopter très vite aussi ce truc. Ferme-toi, voilà. J'ai racheté un eyeliner crème parce que le mien a commencé à sécher, ça s'est formé un bloc et donc à chaque fois que je l'ouvre, ben, le bloc ben, il s'enlève. Donc du coup j'en ai racheté un autre parce que cet eyeliner crème il est pas mal, il est super bien, très crémeux, facile à travailler, plus facile, enfin je trouve qu'il est mille fois mieux que celui de Maybelline qui coûte quand même je sais pas combien de fois plus, mais celui-là il est vraiment pas mal, pour 4€ je l'aime bien. Alors je sais pas si ELF se fout un peu de notre gueule, mais ce pinceau c'est le pinceau mélangeur conique qui ressemble à ça. Je pense que vous êtes tous d'accord, toutes d'accord avec moi, le pinceau avait l'air plus gros que ça. Et là bah, je me rends compte qu'il est petit quand même. Bah, comme d'hab, très doux. Alors ce genre de pinceau là, c'est un tout en un en fait. On peut mettre le blush, faire le contouring et on peut faire l'highlighter. Mais je vous en dirai plus, mais déjà le pinceau est super doux. Mais j'aurais pensé qu'il serait plus gros que ça, mais bon je pense que ça a la bonne taille pour mettre du highlighter et faire un tout en un. Ça a une forme ovale comme ça. Je vous montre de plus près à quoi il ressemble. Je pense qu'il peut être pas mal pour être un tout en un, c'est-à-dire le contouring, le blush et la lighter comme ça. Il m'a l'air bien ce pinceau quand même. Mais je le voyais plus gros moi. Je le voyais plus gros, ouais. Ils ne sont plus dans leurs emballages, maintenant ce sont dans des papiers bulles. Yeah! Je vais pouvoir m'éclater, allez, éclater. S'il y arrive, ok. Ça éclate. Ouh, je deviens une petite fille. Ouh. Celui-là, tout cas, comment tu t'appelles? Celui-là, c'est... Comment tu t'appelles, toi? Dreammaker. Donc, c'est un vernis à paillettes argenté, gros et petit. Voilà. Et l'autre que j'ai pris... Waouh, j'adore. Comment tu t'appelles, toi? Celui-là, c'est Chic Confetti. Ça a plein de couleurs, enfin ça a plein de paillettes colorées. Donc il y a du vert, du bleu, du rose, du rouge, du jaune, du argenté, du... Toutes les couleurs quoi. Ils sont rigolos ces vernis-là. En fait, dans tous les produits soldés, ce sont les seuls. Actuellement, ils sont à 1,75 au lieu de 2,50, quelque chose comme ça. Donc j'en ai profité pour acheter cela parce que je les voulais absolument. Enfin, je voulais des vernis qui changent un peu de ce que je mets d'habitude. Et en plus, comme c'est l'été et que j'ai envie de faire un petit peu plus de fantaisie sur mes ongles. Excusez-moi. Donc du coup, bah, j'en ai profité pour prendre ces deux-là. Et ils m'ont l'air pas mal, ma foi. Les vernis ELS sont vraiment super bien. Et niveau rapport qualité-prix, sont pas mal non plus. Donc les vernis ELF, voilà. Donc Dreammaker et Chic Confetti. Et je les trouve super beaux, mine de rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce mascara, tout le monde en parlait. Je l'ai enfin. C'est le mascara 3 en 1. Et je vais le déballer. Leurs emballages sont assez chiants, je trouve. Donc je vais le déballer si j'y arrive. Ah, donc le truc ressemble à ça. Donc la forme fait
vachement penser à un des mascaras de chez Bourjois. Je crois que c'était l'un des tout premiers que j'avais quand j'ai commencé le maquillage. Donc ça me fait vaguement penser à un des mascaras Bourjois packaging. Donc très simple, tout en noir avec écrit ELF dessus. Et donc le plus important, c'est la brosse. C'est pour ça que ça m'a intrigué, que je voulais absolument l'avoir, mais t'es toujours en rupture en stock, donc voilà. La brosse ressemble à ça. Donc c'est des picots en plastique et au bout vous avez un embout rond pour pouvoir faire bien l'extérieur, l'intérieur, etc. Et puis aussi je pense que ça serait bien, enfin il serait bien pour faire les cils inférieurs. Donc ça doit être un très bon mascara. Enfin j'ai entendu beaucoup de bien de ce mascara. Donc je testerai pour vous. Parce que j'ai déjà du mascara sur moi. Deux gros produits parce que j'ai voulu me faire plaisir vu que c'était pour mon anniversaire. Ah c'est quoi ce truc? J'ai pris la palette avec 100 couleurs parce que tout simplement j'ai envie d'avoir celle de Coastal Scents, mais malheureusement elle coûte quand même assez cher et j'ai voulu trouver une alternative pour pouvoir remplacer ma palette de chez Sephora que j'ai depuis quand même un certain bon bout de temps quand même. Donc j'ai préféré prendre celle de chez ELF, donc c'est la palette ombre à paupières avec 100 ombres à paupières et... Bah je vais vous le déballer, attendez si je retrouve mes ciseaux ça serait pas mal. Je ne retrouve plus mes ciseaux. Fuck. Il veut pas sortir. Voilà. Alors la palette ressemble à ça. Ma foi m'a l'air plutôt pas mal. Donc si je l'ouvre ça serait pas mal. Voilà. Qu'est-ce qui vient d'éclater? Qu'est-ce qui vient d'éclater? D'accord. Donc on retrouve un miroir ici et deux applicateurs à ombre à paupières mousse. Et on retrouve tout ça comme ombre à paupières et donc il y a quand même pas mal de couleurs. Enfin un fard à paupières rouge, enfin. Voilà. Non franchement les couleurs elles en ont vraiment pas mal. Alors il y a beaucoup de mat, beaucoup d'irisés, c'est plutôt pas mal. Donc je pense que je vais pouvoir faire pas mal de choses avec cette palette là. Donc je vous ferai un maquillage sûrement avec. Et voilà quoi. Et vu que je suis une amatrice des maquillages d'Halloween, je voulais absolument une palette où il y avait pas mal de couleurs pour que je puisse alterner, enfin faire plein de maquillages d'Halloween. Et donc je me disais que cette palette là pourrait largement faire l'affaire. Donc voilà les filles, cette vidéo spéciale ELF est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme vous l'aurez pu constater, c'est une, on va dire, une moyenne commande, pas une petite, pas une grande, mais une moyenne commande. Ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est juste que je suis super contente de pouvoir filmer avec ma propre caméra. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous pour la prochaine vidéo. Ciao!